15 janvier 1997. Je suis assoupi sur le canapé du salon quand soudain, j'entends une explosion. La moitié de notre ferme vient de brûler, emportant 25 années de travail de mon père. À l'origine de l'incendie, un défaut du chauffage au gaz. Pendant une heure, mon père et moi avons tenté de sauver tout ce qui pouvait encore l'être. Jusqu'à ce qu'il me retienne le bras. Droit dans les yeux, il m'a dit « Arrête, ça ne sert plus à rien ». À ce moment précis, je compris qu'il ne serait plus le même homme, qu'un ressort venait de casser. À jamais. Dès lors, mon père sombre dans un profond mal-être. Il se réfugie dans les médicaments, mélange les anxiolytiques, les somnifères, les antidépresseurs. C'est la fin des jours heureux. Je connaissais l'existence d'agendas dans lesquels ma mère consignait la vie de la ferme pendant toutes ces années. Mais je ne savais pas ce que j'allais y découvrir. Au fil des pages, les cahiers se transforment en journal intime. Sur un des agendas, je découvre cette phrase rédigée par mon père. « J'en ai marre de vivre comme ça. Je suis seul. »